à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo de la semaine. Ce sont donc les produits terminés. Donc le sac, cette fois-ci, n'est pas totalement plein. Mais comme tous les mercredis, je décide de vous faire cette vidéo de produits terminés. Comme les encombrants passent le jeudi, c'est plus pratique pour moi. Et je n'aime pas du tout garder des choses qui vont à la poubelle. Donc du coup, je décide de vous faire cette vidéo maintenant. Donc c'est parti, donc il y a quand même des choses hein. Alors tout d'abord j'ai fini des tablettes Vanish pour le lave-vaisselle. Donc c'est des tablettes que j'utilise régulièrement. Elles sont vraiment très bien. Donc là c'était un sachet de 45 dosettes à l'intérieur. Donc souvent je les achète en promo hein. Ensuite un bloc canard Active Clean senteur marine. Donc très bien, bloc WC traditionnel, voilà, hein, ça fait son job. J'ai terminé un liquide vaisselle de la marque Washing Up. Donc c'est la marque que l'on trouve chez Action avec tous les produits dérivés, le nettoyant rose, jaune, bleu, etc. Ce liquide vaisselle-là, il était en promo de la semaine à mon dernier haul Action. J'adore, il est franchement tip top, il mousse bien, il fait son job. Donc il était en promo à 80 centimes me semble-t-il. Mais je l'aime vraiment beaucoup et je le rachèterai. Nous avons terminé des cotons-tiges classiques de la marque Carrefour. Donc pareil, coton-tige traditionnel. Voilà, je prends souvent des... Quand je vais dans n'importe quel magasin, que ce soit Carrefour, Aldi, etc. Les cotons-tiges de la marque. Rien de folichon dans ces cotons-tiges. J'ai utilisé des cotons à démaquiller de la marque Alvira Skincare. Donc très bien, comme d'habitude. Du papier toilette de la marque Sublimo. Donc la marque Sublimo, c'est la marque de chez Aldi. Donc très bien. Comme je vous dis, quand j'utilise pas Renova, Carrefour, c'est Aldi. J'ai terminé une brume de fraîcheur de la marque Soupline. Donc je vous en avais déjà parlé dernièrement de cette brume là. Comme vous le savez, j'adore l'odeur de la Soupline. Et cette brume est vraiment très agréable. Donc quand on fait le lit, etc., après le ménage, on vaporise un petit coup comme ça de brume, de fraîcheur. Par contre, ça retombe quand même pas mal, mais elle est vraiment très agréable et ça sent la Soupline. Un petit Carmex que j'ai acheté chez Normal. Donc, c'est un baume pour les lèvres à la poire. Donc, je l'ai entamé la semaine dernière. Il est vraiment très bien. Franchement, ils sont un peu chers, ces baumes à lèvres. Mais franchement, ils sont très efficaces. J'avais mal à ce niveau-là, au niveau de la lèvre en bas. Et franchement, ça a guéri très vite. C'est très riche, vraiment très épais. C'est vraiment très agréable. Une petite votive de chez Action. Donc celle-ci, c'est au melon. Donc très bien. Un dentifrice de la marque Aquafresh 3. Un incontournable chez nous. Donc comme d'habitude, très bien. Un masque bambou comme ceci que ma fille a fait. Donc là, c'était Made in Korea. Je sais pas où je l'avais acheté celui-là, si c'est Nose ou Action, mais elle a beaucoup aimé ce petit masque. Vanish Blanco pour la lessive de blanc, une dose, un lavage. Donc ça c'est vraiment pratique, c'est vraiment tip top. Une petite boule de bain achetée chez Normal. Donc celle-ci c'était à la noix de coco. Très bien. J'ai beaucoup adoré et l'odeur dans l'eau, la couleur dans l'eau était vraiment super sympa. Donc pour un effet cocooning, ces boules de bain-là, elles sont vraiment tip-top. J'ai terminé un maxi-format L'Oréal Elseve Lisse Intense. C'est un shampoing. Il est vraiment tip-top celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup et l'odeur est très agréable. Une eau micellaire de la marque Nuxe que j'adore. Voilà, donc c'est la Very Rose. Donc là, c'était un cadeau que j'avais eu chez Cocoon Center en 100 ml. Elle est vraiment très bien, cette eau micellaire. Je l'adore. Alors, ma fille a mis ça dans le sac. C'est des petites friandises pour chat de la marque Feringa au bœuf. Mon chat, il les adore. Donc, celle-ci,
Je les ai eues, c'est mon amie qui me les a données. Elle avait fait une commande Zoho Plus et elles sont vraiment tip top. Alors, un autre produit que j'aimerais vous parler, c'est un collant morphologique régulier. Donc, c'est un collant opaque noir, 60 deniers en lycra de la marque Well. Il est vraiment tip top, il est adapté à votre morphologie. Donc, moi, j'ai pris en fait régulier 1m65 parce qu'il y en a des autres 1m75 et franchement, il arrive pile poil au niveau de la taille. Il galbe bien, la couleur noire opaque est vraiment tip top et franchement, ils sont vraiment très très bien ces collants-là. Si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas. Moi, je les avais eu en promo avec l'application Shopium. Et pour finir, ce sera des petites bougies, comme d'habitude. J'ai utilisé pas mal de petites bougies. Donc, celle-ci, la Earth and Home. Donc, celle-ci, c'était Mur Sauvage. Un délice. C'est les petites bougies que je trouve donc dans ma jardinerie à cercle vert. Donc, il y en avait une comme ceci. Il y avait toujours une Earth and Home comme ceci. Alors là, c'était vanille noire. J'ai adoré, adoré. Donc, c'est une petite votif comme ça dans un petit porte-lampion. Tip top, hein, ces bougies-là. Cette marque-là, j'ai vraiment adoré. Et un galet de bain. Un galet parfumé, pardon. Toujours de la marque Earth and Home. Cerise noire. Alors, celle-là, cerise noire, elle est vraiment tip top. Franchement, je l'adore. Donc, c'est les galets comme les galets Yankee Candle. Hein. Ils sont vraiment tip top. Je les adore. Et pour finir, une bougie de la marque Candra. Donc celle-ci, c'est pas une de mes préférées, c'est la fraîche coton. Mais j'ai bien aimé, ça change un petit peu de la vanille et de la red berry. Voilà, donc les bougies chez moi, ça fume tous les jours, j'adore ça. Donc voilà, cette vidéo de produits terminée est finie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'y réponds à chaque fois. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.